romantique. Quoi? Le vieux tas de boue de Max? Je crois qu'elle parle de Max et Déborah. Il est complètement fou d'elle. Ça se voit. Sage, Prancer, allons. Est-ce que ça va? Elle s'est cognée à l'intérieur gauche, je crois. Oui, au niveau du phalon. Bon, je vais jeter un coup d'œil. Ça ne t'ennuie pas? Mais non, il n'y a pas de raison. Vous avez peur? C'est curieux. Vous n'aimez pas les chevaux? C'est eux qui ne m'aiment pas. Pourtant, il n'y a pas plus doux qu'un cheval. Caressez-le, vous verrez. Et ben voilà, ça ne se passe pas si mal que ça. Oh. 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 Je suis désolé, mais tu connais les chevaux? Maintenant, oui, je suis baptisée. On ne sort de rien. On y va, alors? Max, je suis dégoûtante, je ne peux pas y aller. Ça se voit à peine, tu n'as qu'à mettre ton sac devant pour cacher. D'accord, c'est nul. Et seulement si tu rentres pour te changer, on va perdre notre réservation. Oh bah, tu n'as qu'à emprunter quelque chose à ma mère. C'est la phrase qui tue, ça. Oh oui, il est en train de s'enfoncer, le pauvre. Merci, mais je pense qu'il vaut mieux que je rentre. Tu m'inviteras une autre fois. Bon, si tu veux, quel jour tu serais libre? Je te téléphone. Je te téléphone? Pauvre Max. Même moi, je sais que ça veut dire que c'est cuit. Les filles, l'heure est grave. Max s'en sortira pas sans un coup de main. Va falloir jouer les cupidons. Mon photo, c'est nul. Si on veut aider Max, il faut qu'on se documente sur le sujet. T'as pas besoin de lire tout ça. Tu as étudié le sujet en embrassant Skyron, Sam. Êtes-vous réellement fait l'un pour l'autre? Pourquoi on doit scoltiner ces articles stupides? Je préfère mes magazines sur les chevaux. Si tu t'intéresses aux chevaux, tu t'intéresses à Max. Et Max a des ennuis côté cœur. Ah, bon, d'accord. Alors, on les épluche ses revues. Alors, où est ma surprise? On arrive, chérie. C'est bon? Oui, tout est paré. Bien. Ta surprise est là. Devant toi. Tu peux ouvrir les yeux. Alors, tu es contente? Elle s'appelle Garnet. Et elle est à toi. Eh bien, comment la trouves-tu? À qui il est, ce cheval? À moi. Elle est magnifique, hein? C'est une jument. Le reste... J'ai demandé qu'on la selle pour toi. Va faire un tour avec elle? Non. Je ne veux pas la monter. Elle est nulle, cette jument. J'en veux pas. Mais tu as dit que tu la trouvais magnifique. Qu'est-ce que tu peux reprocher à Garnet? Elle est splendide et elle est fantastique pour le saut d'obstacle. Vu le prix qu'elle m'a coûté, elle peut, oui. Papa, tu avais dit que je choisirais moi-même mon nouveau cheval. Et j'aurais jamais choisi celui-là. Tu ne peux pas le rendre et te faire rembourser? Non, on ne peut pas le rendre ou l'échanger comme une paire de chaussures. Papa, s'il te plaît, pour moi. Bon, j'irai négocier avec l'éleveur. Mais je ne te promets rien, chérie. S'il ne veut pas la prendre, je ne pourrai rien faire. Allô, Déborah? C'est Max. Oh, je vais bien. Et toi, comment vas-tu? Ah, tant mieux. Mais à propos de l'autre jour... Max! Hein? Attends, excuse-moi une seconde. Oui, Ashley, je t'écoute. Je ne trouve pas la selle de Dime. T'as regardé dans la remise? Oui. Regarde encore. Pardon pour cette interruption. Je suis vraiment désolé que ce cheval t'ait éternué dessus l'autre jour et...
Il n'y a plus de lumière dans la remise. Excuse-moi une minute encore, tu veux? Et alors, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Appeler un électricien. D'accord, je le ferai. Plus tard. Excuse-moi. Oh, non. Ne raccroche pas. Non. Il n'y aura pas d'autre interruption. C'est promis. Eh, laisse tomber ça. C'est pas l'ampoule, c'est le circuit électrique. Le circuit? Qu'est-ce qu'il a dit, Max? Comme l'autre fois. Il a dit qu'il allait s'en occuper, mais il a rien fait. Parce qu'on lui a déjà fait un devis et que c'était trop cher. Mais pourquoi téléphoner à un électricien? Je peux m'en occuper. Passe-moi le tournevis. Déborah, je consacre presque tout mon temps aux chevaux et au centre en ce moment. Mais je saurais prendre le temps aussi pour toi. Alors, laisse-moi une autre chance. Génial. D'accord, on peut se faire un resto. Comment? Non, bien sûr que je t'écoute. Un cinéma et un resto après. Bon, alors, je passerai te prendre à 6 heures. Allô? Allô? Déborah? Allô? J'ai voulu changer les fils là-haut. Tu as l'intention de me mettre sur la paille? À cause de toi, le coût de la réparation vient de doubler. Tôt ou tard, il aurait fallu faire venir l'électricien. Oui, et ben moi j'aurais préféré attendre. L'entretien du club a explosé mon budget. Et j'ai encore une barrière à changer et en plus une fenêtre. Et le tracteur? Bah qu'est-ce qu'il a le tracteur? Hein? J'avais l'intention de vous parler de ça, mais... voilà, il faisait un drôle de bruit et j'ai voulu vous arranger ça. Max, vous n'allez pas emmener Déborah au restaurant dans cette tenue, voyons. Bah, et pourquoi ça? Vous avez vraiment besoin qu'on vous prenne en main. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je m'habille mal? Super. Ah, tu es très merci. Chic, Max. Bonne soirée, au Max. Au revoir. Amusez-vous bien. Les autres élèves ont tous des chevaux splendides et moi, j'ai quoi? Un bourrin. Tu ne trouves pas que c'est injuste? Hein? Oh, si, c'est sûr que ça craint. Et en plus, une jument. Mes parents savaient que je voulais un étalon pourtant. C'est sûr que ta vie est un long cauchemar. Ça, vraiment, tu peux le dire. Je te donne un coup de main? Non, ça ira. La journée va être très longue pour toi. J'espère qu'entre Max et Déborah, ça se passera bien. Si jamais je pique du nez avant qu'ils reviennent, réveillez-moi, les filles. C'est tellement romantique. Ils vont peut-être se fiancer et se marier. Si tout va bien, il y aura bientôt plein de petits Max et Déborah qui joueront dans les écuries et galoperont dans les champs sur de jolis poneys. Reviens sur Terre, tu as lu trop de romans photos et de presse féminine ces temps-ci. J'en lis pas tant, rends-moi ça. Prince au crapaud, un baiser peut-il transformer l'élu de votre cœur? Je suis désolé, le coup de la panne, c'était pas prévu. Il y a toujours des problèmes avec ces vieilles voitures. Ça sera vite réparé, je pense. On a tout le temps, ils nous gardent notre réservation. J'ai du mal à comprendre que tu détestes autant les chevaux. Et moi, j'ai du mal à comprendre que tu puisses te lever tous les jours aux aurores pour aller ramasser du crottin. Oh, et pourquoi? Vous, en ville, vous ne ramassez pas votre crottin? On se débrouille pour ne pas avoir à le faire. Il lui prend la main? Oui, mais il discute quand même de crottin. Reconnais que ça craint. Chut! On entend plus ce qu'ils disent. Je t'aime beaucoup, Max. Mais les chevaux, ça, je m'en passerai. Moi aussi, parfois. Vraiment? Hey, regarde autour de toi. La plomberie est rouillée, le toit a des fuites. Je travaille 7 jours par semaine, alors il y a des fois où je rêve de prendre quelques vacances.
Il n'est pas heureux de sa vie au pain creux, t'as entendu? Je croyais que Max adorait s'occuper du centre équestre et des chevaux. Max, je sais pourquoi tu y tiens autant, mais il faut voir les choses en face. Ça te pourrit la vie. Oui, tu as raison, je sais. C'est une source d'ennui. Mais ça vient de mon père. Max, on s'était mis d'accord là-dessus. Tu dois le vendre. C'est dur à admettre, mais tu as raison. Je vendrai le centre au premier acheteur qui en voudra. Heureuse ? Je n'arrive pas à le croire. On a du mal à entendre. Non, il n'y a aucun doute. Max a décidé de vendre le pain creux. Mais Max tient à son club d'équitation. Il veut vendre à cause de Déborah. Tu l'as entendu, elle déteste les chevaux. C'est malin. Si on n'avait pas tout fait pour les rapprocher l'un de l'autre, on aurait pu garder le pain creux. Mais c'est pas fini. Si on a réussi à les rapprocher, on peut très bien réussir à les séparer. Salut les filles. Vous savez où est Max? Ah, salut Laurie. Tu te trompes, c'est Déborah, elle. Oh, chaque fois je gaffe, c'est idiot. Je m'embrouille toujours dans les prénoms. C'est dur de s'y retrouver au milieu de vous toutes. De nous toutes? Oui, vous, les petites amies de Max. Stéphanie. Déborah a déposé ça pour vous hier. Ça a l'air drôlement cher, ces séjours. C'est le prix que coûterait un tout nouveau tracteur. Et il faudrait prendre 2 semaines de congé. 2 semaines? J'ai déjà du mal à avoir un jour. Oh, c'est dommage. Déborah nous a dit combien elle espérait que vous l'emmeniez en vacances. Ah oui? Ah oui, vous savez que les voyages, elle adore ça. D'ailleurs, elle déteste rester au même endroit trop longtemps. Madame Charlot, Max veut vous voir, il vous cherche partout. Ah oui? Pourquoi? Ça, je l'ignore, je crois qu'il veut vous parler de Pandora. Elle est malade? Ben, je comptais aller faire un tour en forêt avec elle. Vous devriez aller voir Max avant. Ce serait peut-être plus prudent. Il est dans son bureau. Hein? Non, n'entrez pas. Pourquoi ça? Parce que Max est occupé, j'ai l'impression. Ne partez pas. Max a une surprise pour vous. Il vous emmène faire une balade à cheval. C'est une idée romantique, hein? Je ne suis pas sûre que romantique soit le mot qui convienne. Ah, où est Max? Il règle 2-3 choses au club et il vous rejoint. Je vous aiderai à monter sur Patch. Ah. Attends un peu, tu veux que je monte sur cette bête? Bah oui, pourquoi? Y'a un problème? Ah non, aucun! Sauf que vu sous cet angle, je trouve que sa tête fait plus grosse. Il est facile à monter. Vous n'aurez pas à le diriger. Patch connaît le chemin. Génial! Allons-y! Maintenant, le tout, c'est que j'arrive à monter dessus. Oh les cœurs! C'est l'idée que Max se fait d'une soirée romantique? Vous n'allez pas sortir habillé comme ça. C'est toi qui as choisi ce costume? Ben, je le trouvais élégant, mais je ne dois pas trop m'y connaître en mode. Déborah dit que quand vous portez ce costume, vous avez l'air d'un... L'air d'un quoi? Pecno en goguette. Pecno en goguette? Et c'est pour ça qu'elle ne vous présente à aucune de ses amies. Elle a peur qu'elle se moque. Vous avez le temps de vous changer, non? Oh, si cette balade tient tant à cœur à Max, alors où est-il? Oh, aidez-moi à descendre de cette chose. Wow, Patch, Patch. Allez-y, vous passez votre jambe par-dessus et ensuite sautez. Des bottes toutes neuves, un modèle unique. Et c'est du sur-mesure qui plus est, fait en Italie par un bottier. Il a fallu 8 semaines de travail et 10 d'ouvriers italiens pour les fabriquer. Et regardez-moi ça. Oh, elles sont fichues. C'est sans doute pour ça que Laurie met toujours des bottes en caoutchouc quand elle vient monter avec Max.
Déborah ? Merci bien pour la surprise. Regarde-moi, je suis recouverte de boue, mes bottes sont fichues. Je sais, mon club n'est pas assez classe pour toi, mais si ça te gêne autant de te salir, pourquoi tu viens encore me voir ? Depuis le début, tu sais combien j'ai peur des chevaux. Alors pourquoi tu te mets en colère ? Parce que je ne veux pas les approcher ? Parce que je ne suis qu'un cutéreux incapable de comprendre les choses et qui présente trop mal pour quelqu'un d'aussi raffiné que toi. Voilà. Je vois. Si t'es plus à l'aise avec tes filles d'écurie et tes Amazones, alors va les rejoindre. Oui. Je comprends pas les parents de Véronica. C'est égoïste de lui acheter un cheval sans lui demander son opinion. Mais c'est une jument splendide. Regarde-la. Elle a des jambes droites et fines. Et tu vois ses oreilles? Elle écoute et elle comprend tout. En plus, il faut la voir sauter. Elle a une de ses puissances. Je donnerais n'importe quoi pour la voir. Regarde, celui-là est génial. Garnett est bien plus racé. Bob dit que c'est le meilleur cheval qu'il ait jamais vu au Pin Creux. Cobalt était bien meilleur. Il dit que tu es folle de vouloir revendre Garnett. Si tu n'en veux pas, moi je la rachète tout de suite. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas d'elle. Si, tu l'as dit. J'ai juste dit que j'aurais voulu que mes parents me demandent mon avis. C'est tout. Garnett n'est pas à vendre. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? On t'attend. Tu as oublié ton cours. Ah, zut. Merci, maman. Oui, allô? D'accord. Oui, passez vers 3 heures. Mais bien sûr. Oui, c'est ça, au revoir. Tu attendais un autre appel. Max? Vous portez ce genre de chaussures? Je ne suis pas aussi pecno que ça. Et quand je veux, je peux avoir un peu de classe. Ouais, si vous le dites. Vous venez? On devait aller réparer la barrière du paddock. Non, j'ai pas le courage. Et puis à quoi bon? C'est quoi son problème? Je vous embête encore. Mais Jake a oublié de refermer l'eau après avoir douché les chevaux ce matin. Ce n'est rien. L'ennui, c'est que on patouche dans l'eau dans les 3 boxes du fond. Tu peux régler ça tout seul. Comment tu l'as trouvée? Je l'avais encore jamais vue comme ça. Il est malheureux, le pauvre. Et à cause de nos manigances. Vous l'avez vu pendant le cours? Il n'a même pas remarqué que comment changer d'allure. Il est ailleurs. On dirait qu'il ne s'intéresse plus à rien ici. C'est moche. On doit réparer le mal qu'on a fait. C'est ce que je crois aussi. On a provoqué sa rupture avec Déborah. Alors c'est à nous de les réunir. Mais Max vendra le club s'il la retrouve. Des clubs où on fait du cheval, il y en a plein. Mais il n'y a qu'un seul Max. S'il vous plaît, Max, j'ai besoin de vous. Et pourquoi tu ne demandes pas ce service à Steph ou à Carol? Elles n'ont pas le temps. Et je dois trouver quelqu'un qui vienne avec moi. Prendre sœur paraît très nerveuse et ça m'inquiète. Bon, d'accord, je viens. Autant y aller. Une balade, c'est toujours mieux que la paperasse. Je te suis. Madame Reg, vous êtes occupée? Pas plus que d'habitude, disons. On aurait besoin que vous prépariez un pique-nique. Ah ah, la réunion du club du Grand Galop a lieu dans les champs aujourd'hui? Non, ce n'est pas pour nous. Enfin, si, indirectement. C'est pour rattraper une bêtise. Et vous avez besoin de mes célèbres sandwichs pour ça? Et si c'est pour une bonne cause?
C'est ma jument, tu n'as pas le droit de la reprendre. Mais je croyais que tu ne voulais pas d'elle. Je l'adore, c'est un bon cheval. J'ai dû passer une heure au téléphone pour convaincre l'éleveur de la reprendre. Je tiens à elle. Si tu me la reprends, j'en mourrai, je t'assure. Regarde. On s'entend bien, on est déjà amis. Bon, c'est entendu, garde-la si tu veux. Mais où est-ce que tu m'emmènes? Je croyais que tu voulais une petite interview rapide pour un devoir sur la presse écrite. C'est le cas. Si on est là, c'est parce qu'on nous demande de faire preuve d'originalité si on veut une meilleure note. On y est. C'est quoi tout ça? Wow! Vous devez sûrement avoir envie qu'on vous laisse. Non! L'une de vous peut me dire ce qui se passe ici? Je vous laisse alors. Oh non, attendez, ne partez pas. Tout est notre faute. Max s'amuse pas à collectionner les filles. On vous a trompé. Et Déborah n'a jamais dit que vous étiez un pecno en goguette. Et puis, elle n'a pas déposé ses brochures touristiques ni parlé de voyage. On a menti sur tout ça, parce que vous vouliez partir du pain creux et le vendre. Quoi? Et d'où tenez-vous ça? On vous a entendu. Vous disiez que vous le vendriez au premier acheteur qui passerait. Je n'ai jamais dit que je vendrais le club. Non, on était en train de parler de sa voiture. C'est un vrai tas de boue. Vous ne comptiez pas vendre... Je préférerais mourir plutôt que vendre le pain creux. Voilà ce qui arrive quand on écoute aux portes. Oups. Oups. On va peut-être vous laisser alors. On ramène les chevaux. Au revoir. Une seconde. Vous croyez qu'on peut manipuler les gens sans qu'on vous dise rien? On n'aurait pas dû, on le sait, on regrette. Et on devrait se contenter de regrets. Non, je crois que vous méritez une punition. Je suis d'accord. Aucun des merveilleux sandwichs de ma mère pour vous. Ça, c'est cruel. Eh oui. Allez, du balai. Avouez qu'on a assuré cette fois. Oui, mais t'as l'air d'oublier que c'est notre faute s'ils se sont séparés. Peut-être, mais dis-toi que sans nous, ils n'auraient pas eu le plaisir de se retrouver. Eh oui, les filles, le club du Grand Galop a encore frappé. Bien. Vous avez un commentaire à faire sur Lisa? Pas moi, je trouve qu'elle est super. Moi aussi, ça se voit que Prancer est une jument parfaite pour elle. Vous faites une belle équipe toutes les deux. Mais il aurait fallu que tu salues le juge d'abord. Et le troisième et quatrième changement se font au trot. A jusqu'à F, un cercle à E et pas à K. Et il faut que tu surveilles tes mains. Tu dois apprendre par cœur cette épreuve. Qui est-ce qui veut lui montrer l'exemple? Carole, je veux bien. Quoi? Allez, grimpe, championne, et donne-nous une leçon. Les autres filles, je veux que vous vérifiez si son parcours est correct. À la moindre erreur, le candidat est sanctionné. Salut le juge. Au pas de CAM. Petit galop de M à H. Non, arrête, c'est du trop. Trop de K à D. T'as pas honte, ça te ferait plaisir qu'elle perde. Silence, les filles. Ne la déconcentrez pas. Le jour du concours, elle n'aura pas droit à l'erreur. Oui, continue. Oh, mais qui c'est? C'est personne. Transition à la barrière. C'est bien, avance en ligne droite. Elle est bonne, cavalière. Ouais. C'est bien, Carole, essaie de l'allonger. Tu as fait du bon travail. C'est excellent. Merci, Max.
Ma mère est représentante de commerce. Du coup, on voyage tout le temps. Et on déménage sans arrêt. C'est ce que vit Carole. Son père est un militaire. Eux aussi, ils déménagent souvent. Carole ? C'est elle. Carole, voici Andrea à Barry. Salut. J'ai vu ton dressage. Tu es très douée. Merci. Mais essaye de mettre tes épaules en arrière quand ton cheval trotte. Sinon, ça risque de te pénaliser. Je crois que tu lui en as bouché un coin. En général, c'est toujours elle qui donne des conseils. Les filles, je suis pas si mauvaise. Je ne t'ai pas dit ça pour ça. Je fais de la compétition, alors je te donne des conseils. D'ailleurs, tu sais, elle a raflé toutes les coupes cette saison. Écoutez-moi. Le concours de Briarwood approche à grands pas. Il y a un droit d'entrée élevé à payer et je sais que parmi vous, certaines ont des problèmes. Alors cette année, le Pin Creux va sponsoriser une cavalière. Carole, on compte sur toi. Tu vas les écraser, Carole. On va pouvoir se mesurer l'une à l'autre. Tu fais la compète? Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Regarde et réfléchis deux secondes, Einstein. Oh, t'as les ongles blancs, c'est drôle. Tu n'y connais absolument rien. C'est un travail digne d'une manucure. C'est très branché et ça coûte très cher. Donc, bien sûr, tu n'en avais jamais entendu parler. Pourquoi tu n'utilises pas du blanc pour corriger? Tu rigoles, j'espère. Arrête, c'est une idée super. Et je parie que ça coûte beaucoup moins cher que le vernis. Ça n'y ressemble pas du tout. Tu racontes n'importe quoi. Oh, ma main! J'ai mal, tu me l'as cassée. Je l'ai pas fait exprès. Oh, comment je vais pouvoir préparer Briarwood maintenant? Bouge pas, je vais chercher de l'aide. Je ne serai jamais prête pour le concours de Briarwood. Et si Starlight n'était pas prêt? Bien sûr que si, il s'en sortira très bien. Bien, je veux faire mieux que bien. Et si jamais j'étais pas au niveau? Et depuis quand la meilleure cavalière du Pin Creux nous fait une crise de trac? Oh, je suis juste nerveuse. Dommage que tu ne fasses pas la compétition. Tu ne seras pas toute seule. Véronica s'est inscrite et il y a aussi Andrea. Elle, là, elle se croit la meilleure du club. Pourquoi est-ce que tu la critiques? Vous pourriez être sœurs presque. Cite-moi une seule chose qu'on ait en commun. J'en sais rien. Vous déménagez tout le temps, par exemple. Vous êtes toutes les deux fans d'équitation et de merveilleuses cavalières. Arrête de mentir, tu veux? Merci pour la leçon, Max. Ce n'est rien, Andrea. Ton cheval est magnifique. Oh, je sais. En général, c'est un cheval qui a beaucoup de concentration. Aujourd'hui, la promenade d'avant le cours l'a fatigué. Qu'est-ce que ça doit être quand il est en forme? Vous avez l'air très complice. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe, Carole? Elle se prend peut-être pour la nouvelle coqueluche, mais elle peut tirer un trait sur Briarwood et la victoire. Beaucoup. Comment est-ce que je peux faire peur à la douce Mélanie alors qu'elle vient de me casser la main gauche? Non, mais je t'ai dit que je l'ai pas fait exprès. Tu dois avoir très soif. Non, mais tu crois que j'ai envie de boire alors que je souffre le martyre? Est-ce que ça te fait très mal? Tu l'as écrasée. Heureusement pour toi, je ne porterai pas plainte, même si je dois limiter la préparation pour Briarwood. J'étais sûre et certaine de gagner ce concours et je vais perdre par ta faute. Allô? Allô? Tu vois, j'arrive même pas à répondre au téléphone. Laisse-moi t'aider. Ah oui? Oui, je ferai tout ce que tu me demanderas parce que c'est ma faute si tu te retrouves dans cet état. T'as pas tort. D'accord. Tu vas commencer par cirer ma selle. Oh, et finalement, c'est vrai, j'ai très soif. Je suis désolée, Max. Je peux réessayer? Arrête-toi un peu. Andrea va essayer un changement de pied. Allez, en selle. Allez, Andrea, étonne-nous.
Bravo, c'est bien. Je crois que je devrais arrêter l'équitation. Tu t'en es bien sortie. Un changement de pied, c'est difficile. Essaye de basculer ton poids sur l'arrière la prochaine fois. T'étais très bien, je te jure. T'étais juste trop en arrière. Non, ce n'était pas assez bien. Mais dis pas ça, tu vas les époustoufler au concours. Surtout si en plus je suis ton groom. Merci Stéphanie. Si on gagne, tu me fais un cadeau. Mais j'ai déjà choisi Lisa. Ah oui? Oui, je suis désolée. C'est juste que cette année, chaque minute compte et... Bah, t'es très douée avec les chevaux, mais tu ne sais pas t'organiser et moi non plus. C'est pourquoi j'ai choisi Lisa. J'ai besoin d'un groom, justement. Enfin, si ça t'intéresse. Oui. Il faudra que tu supportes mon manque d'organisation. Chacun a ses défauts. Je voulais pas te faire de la peine. Qu'est-ce que tu regardes? Je trouve que tes cheveux sont très beaux. Tu n'es pas aussi débile que je croyais. Est-ce que t'es sûre que vous êtes sœurs, Lisa et toi? Lisa le regrette assez qu'on soit de la même famille. On dirait qu'elle a trouvé de nouvelles sœurs au pain creux pour te remplacer. Tu sais pourquoi elle reste en groupe? Parce qu'il faut qu'elle soit trois pour rivaliser avec mon esprit. Dites les filles, ma mère commande des pizzas, vous venez dîner à la maison? Est-ce que je peux rajouter ma touche personnelle? Désolée Stéphanie, maman a horreur des anchois. Pepperoni? C'est bon, je suis d'accord, ça me va. Désolée, Starlight et moi on a du pain sur la planche. On arrive tout de suite maman. Bien sûr, j'oublierai pas Mélanie. Comment j'y arriverai de toute façon? Aux anchois? Comment tu avales des bébés poissons? Facile, en une bouchée. Les filles, attendez! J'adorerais une bonne pizza. On dirait qu'il y a un nouveau membre au club du Grand Galop. Andrea Barry, la version améliorée de Carole. Au trot de H à F, cercle à E, galop de E à M... C'est juste un cauchemar. Pas vrai? On va s'en sortir. Tu t'es levée aux aurores, Carole? Tu as assez dormi? Ne vous faites pas de soucis. Tu as très mauvaise mine. Je suis un peu inquiète. J'espère ne pas être trop mauvaise. Tu feras de ton mieux. C'est toujours ce que tu fais. Mais de temps en temps, ça ne suffit pas. Mais c'est tout ce que les autres espèrent de toi et ce que tu peux espérer toi-même. Je suis sûre de ne pas gagner cette compétition. C'est ce qui arrivera si tu ne crois pas en toi. Et n'oublie pas que vous êtes deux à y aller. Starlight doit avoir confiance en toi. Il va croire que tu n'as pas confiance en lui, sinon. Je portais ça à chaque compétition que j'ai faite. Ça porte bonheur.
Merci, Madame Reg. Tu connais le parcours, tu t'es entraînée et Starlight aussi. Fais-lui un peu confiance. Comment s'appelait votre cheval? Porte-bonheur. Mélanie? Carole, regarde, Véronica a transformé ma sœur en mini Véronica. Mais qu'est-ce que ma sœur lui trouve? On s'en fiche. Ce qu'il faut voir, c'est qu'elle empêche ta sœur de t'embêter. C'est ce que tu voulais, je crois. Oui, j'ai dit ça. Maintenant, au boulot. Aide-moi à charger Starlight. Je ne gagnerai pas ce concours si j'arrive en retard. Il faut te réveiller un peu. When I was a little girl, my mama used to say, don't do this, don't do that, now go outside and play. I'm 17, right in between, but I know I'm on my way. Mirror tells me you're so fine, you should be having fun, but I'm standing on the crossroads of my highway to the sun. I gotta go for it, I gotta go for it, I gotta do it myself, I gotta do it myself. Ain't gonna get much help, ain't gonna get much help from anybody else. No. And I do believe, and I do believe, it's what I really want, to hang on to myself, baby. Tu vas t'en sortir? En fait, il reste encore pas mal de trucs à amener. Je déteste être assis avec des juniors. Vous parlez toujours pour ne rien dire. Tu as été junior, toi aussi prétentieux. Moi, je crois que ça suffira. On n'a jamais assez de vêtements. Je veux que tu emportes tout ça au vestiaire et ne fais rien tomber, d'accord? Tous ces vêtements réunis ont plus de valeur que toi. Mais j'ai soif et je veux aller voir les chevaux, s'il te plaît. Alors écoute-moi bien. Les filles qui ont de la classe évitent toujours de se plaindre. Et rappelle-toi, tu es mon groom, je t'ai expliqué. Alors? Oui, je sais, alors je dois faire tout ce que tu demandes. Mais d'abord, j'ai vraiment envie d'une glace. Tout à l'heure, si tu es sage. Et à la condition que je ne vois aucune veste traîner au sol sur le trajet du vestiaire. Bob? Je veux Garnett! Tu l'as bien sanglé au moins. Détends-toi un peu. J'aimerais y arriver. Qu'est-ce que t'as en ce moment? Elle se croit toujours la meilleure. Ça fait combien de temps qu'elle est là? Une semaine? Et on dirait que le club lui appartient. Ah, oh, je vois. Andrea est pourtant une fille très sympa. Tu es supposée être de mon côté. Quel côté? Pourquoi tu es tellement en colère contre elle? Elle est vraiment gentille. Elle est gentille et intelligente et jolie. Et la meilleure cavalière du pain creux. Et alors? Isa! Oui, elle est très mignonne, elle est intelligente et c'est une bonne cavalière. Mais toi aussi. C'est différent. Et pourquoi ça compte autant? Je vais te le dire. J'ai passé mon enfance à déménager. J'ai vécu dans 5 maisons différentes et j'ai été inscrite dans 8 écoles. Je me suis jamais sentie chez moi. Jusqu'à ce que je vienne au pain creux. Elle est arrivée et tout s'est écroulé autour de moi. Ne sois pas triste. J'aimerais qu'on revoie une dernière fois l'épreuve. Oui. D'accord. Salutations au juge. Étro à H, cercle sur E, petit galop à I. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu dis ça? J'ai commencé par le début. Mais tu as peut-être dû confondre avec une autre série. Je ne comprends pas. F à K, A E à G. Alors j'ai passé la semaine à étudier le mauvais enchaînement. Mademoiselle Carole Hanson est priée de se rendre dans le cercle de dressage. Mademoiselle Carole Hanson. Tu es la meilleure. Est priée de se présenter immédiatement. Le départ de l'épreuve se fera dans 2 minutes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que t'es sûre que c'est bien la feuille qui t'ont donnée à l'inscription? Oh oui. Peut-être que tu as pris la feuille de senior. Qu'est-ce qu'il y a? Ils se sont trompés en me donnant une feuille avec le mauvais enchaînement. Je vais regarder. Je reconnaîtrai si c'est le même ou pas. Ah, merci beaucoup. Véronica, tu peux encore me sauver la vie.
Excusez-moi d'être porteuse de mauvaises nouvelles, mais c'est bien l'enchaînement demandé. Véronica! Je vais être ridicule. J'ai pas envie de me ridiculiser devant ces gens, je ne peux pas. Je te comprends. Tu aurais dû choisir un groom plus intelligent. Oh, mais j'ai rien fait de mal. Et dire que j'ai appris la mauvaise épreuve. Je t'aurais jamais cru si méchante que ça. Écoute, Vermine, c'est à cause de toi si je suis handicapée. Ça me fait une chance de plus de remporter la victoire. Mais où tu vas? Parler à quelqu'un de plus gentil. Pour l'épreuve du saut d'obstacle junior, le chrono commence dans le circuit. Désolée, j'aurais dû te faire confiance. Le saut d'obstacle junior a lieu en piste 4. Piste 4. Le gagnant du dressage intermédiaire est Samantha Lazy. Elle est très méchante, hein, cette fille. Qui? Véronica. Quoi? Elle a dit à Andrea que l'enchaînement qu'elle avait appris était le mauvais, alors que c'est le bon. Oh! Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Je l'ai fait pour toi. Quoi? Je l'ai fait pour nous deux. Je t'ai regardé t'entraîner. C'était la seule façon pour toi de gagner. Je ne veux pas gagner de cette façon, c'est injuste. Ah oui. Et c'était juste toutes les fois où Max a donné des cours particuliers à Andrea. Tu trouves qu'elle a été sympa avec toi? Depuis le jour de son arrivée, elle rêve que le club soit contre toi. Elle copine avec Stéphanie et Lisa. Et dès qu'elle le peut, elle te ridiculise. Tu étais la meilleure du pain creux. Tu vas la laisser prendre ta place? Sans te battre? Que tous les cavaliers du dressage intermédiaire se regroupent près du jury. Te tâche pas avec ton hot dog. L'épreuve d'obstacle des seniors aura lieu dans une minute. Je dois être au trot de B à M ou au petit galop? Est-ce que c'est après la troisième transition? Non, bien avant ça. Non, tu tournes sur K. Je sais que c'est peine perdue. Je me retire de l'épreuve. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est affreux. Andrea a travaillé sur la mauvaise série. C'est pas de chance. Salut. Mais ça te laisse une chance, Carole. Tu vas gagner, j'en suis sûre. Je ne veux pas gagner de cette façon. Andrea, fais ce que tu as appris, d'accord? Tu ne t'es pas trompée du tout. Ça, c'est la feuille des seniors. Non, j'y arriverai pas. J'en suis incapable. Aie confiance en ton cheval. Lui, il sait ce qu'il doit faire. Mais il est tous KO. D'accord. Les tigres déploient en piste 5, le pain creux en piste 4 et Octel sur la 2. Tu sais ce que je ne comprends pas? Quoi? Quand tu essaies d'aider une personne et qu'elle refuse ton aide en te crachant presque au visage, est-ce que toi tu comprends ça? Pas moi. Ou alors c'est qu'elle ne voulait pas gagner? Ça t'étonne? Non, au fond c'est une perdante. Il y a des gens qui ont peur de la réussite. C'est triste, mais c'est comme ça. Allez, tu viens, on va faire les boutiques. C'est dur de toujours être au sommet. Mais bon. Salut, Carole. Comment ça s'est passé? Ah, Madame Reg, j'ai été battue. J'ai cru entendre autre chose. J'étais pas loin, mais je n'étais pas assez bonne. À en croire les autres, tu as bien réussi cette épreuve. Waouh, la première et la seconde place? Et pour Véronica, alors? Elle s'est déclarée malade. Pauvre chou. Le pain creux a raflé tous les prix. C'est grâce à Carole. Pour moi, c'est bien d'avoir eu la seconde place derrière toi. Répète ça un peu pour voir. Vous allez me manquer, les filles. On se croisera en compétition, t'inquiète pas. Il va falloir que je fasse gaffe. Je t'ai seulement battue d'un point. Et encore, je crois que j'ai eu de la chance. Écoute, on évitera de s'inscrire dans la même épreuve. Ça nous évitera de nous battre. Ah, attendez, répétez ça. C'est pas juste, on gagnera jamais. Moi, ça me va très bien. T'as raison, moi ça me plaît assez. C'est dégoûtant ça, mais c'est de la triche. Nous
ferme en compagnie de notre vétérinaire préféré pour assister à la naissance imminente du bébé de Delilah et Cobalt. Alors, dites-nous tout, comment va-t-elle? Delilah se porte bien. Elle ne devrait pas tarder à pouliner maintenant. Comment on saura que ça arrive? Delilah fera du bruit. Les contractions sont douloureuses. Vous avez entendu? Un grand événement nous attend. Un poulain va naître. C'était Stéphanie Leck, en direct. Je rends l'antenne. On coupe? Carole, n'arrête pas de filmer. Judy n'a pas encore terminé de l'examiner. Je sais, mais je veux garder de la place pour filmer la naissance. Ça peut arriver d'un moment à l'autre. J'espère que ça ne sera pas aujourd'hui. Je dois sortir avec les filles. Et moi, j'ai passé une audition pour la pièce. Mmh. Aucun souci. Son col n'est pas encore dilaté, donc elle ne devrait pas mettre bas tout de suite. Mais si ça arrive? La délivrance d'une jument se fait toujours rapidement. Souvent d'ailleurs, c'est si rapide que quand j'arrive, c'est déjà trop tard. Si je rate ça, j'en mourrai. On devrait demander à Max si on peut dormir ici. Et rester à côté de Delilah. Si tu me promets de montrer ton nez quand Tina sera ici, je te donnerai un tas de pommes à manger. Dis-moi, Tina, c'est bien cette adorable rousse dont les parents ont déménagé en ville? Oui, on était comme des sœurs, toutes les deux brillantes, charmantes, folles des chevaux. Et Modeste, n'oublie pas Modeste. Mais qui est-ce? Enfin, c'est moi. J'espère qu'elle ne compte pas monter dans cette tenue. Stéphanie? Oh, ça fait tellement longtemps. Tu es toujours la même. Ah oui, toi aussi, Tina. C'est elle, Tina. Je n'arrive pas à le croire. Tu as l'air si différente, tes vêtements, tes cheveux. Et c'est pas tout. Oh super, ça te fait pas mal quand tu portes des jeans? Non, si tu portes des tailles basses. Tina? C'est bien toi? Oui, on dirait. Waouh, t'es vraiment géniale. Merci. Je préfère, tu sais. Avant, tu t'habillais comme Steph. Ici, il y a des choses qui changeront jamais. Jamais du temps, Monsieur Worthing. Quand les gens me parlent du temps qu'il va faire, j'ai toujours la sensation qu'ils me parlent de quelque chose d'autre. Et ça me rend tellement, tellement nerveuse. Tu parles trop doucement, tu sais, ça doit venir de ton dia... Dia... Dia quoi? Ici, dans ton estomac. Le réalisateur de mon film disait que ça aide à parler plus fort. C'était un film de Sky Ransom et tu n'avais qu'une ligne à dire. Il y a que les mauvais acteurs qui comptent leurs lignes. Et je te ferai remarquer qu'une ligne, c'est mieux que rien du tout. Est-ce qu'on peut répéter, s'il te plaît? Quelle belle journée nous avons eue, Mademoiselle Fairfax. S'il vous plaît, ne me parlez jamais du temps, Monsieur Worthing. Quand les gens... drôle de façon d'interpréter ton rôle. Tu n'espères pas jouer le rôle de Gwendoline? Si j'étais toi, j'envisagerais plutôt quelque chose à ta portée. Comme vendeuse de billets. Tu crois que le rôle est pour toi? Attends... Gwendoline est grande, blonde, c'est une belle et riche héritière. Qui d'autre? Oh, et Lisa. Réserve de billets pour mes parents, ils adorent me voir sous les lumières des projecteurs. Allez, Mélanie, on recommence. Salut. Écoute ça. Lisa croit qu'elle a une chance de jouer le rôle de Gwendoline. C'est à se tordre de rire. Au sujet de la pièce... Je sais, on ferait mieux de commencer à répéter. C'est-à-dire, je ne viendrai pas. J'ai envie de faire les magasins avec Tina. Oh, d'accord. J'espère que je pourrai venir aussi. Non, je ne veux surtout pas que tu rates ton audition. Tina et moi, on te retrouvera plus tard. Ça, c'est le garrot. C'est là où c'est noueux à la base du cou. D'accord. Et le poulain est sur le dos. Il doit se retourner de 180 degrés quand le travail commence. Oh, ce n'est pas une mince affaire. Ouais, c'est vrai. Il a bougé? Oh, j'espère que c'est pas son virage qui commence. Non, pas encore. Pauvre bête.
C'est comme si elle avait un éléphant dans le ventre. Elle est à terme, et le poulain est gros. Tu sais, c'est la nature. C'est facile à dire pour toi, mais la seule à pouvoir répondre, c'est elle. Bonjour, Max. Déborah, voici Tina. Ah oui, je me souviens de toi. Tina, non, t'as grandi, dis-moi. Merci. J'ai donné l'autorisation à Carole pour que vous passiez la nuit ici. Mais prévenez vos parents, d'accord? Merci, Max. Sois tranquille, elle t'adore. T'en es sûre? J'avais pas réalisé que Max était aussi méga craquant. Max? Mais c'est un vieux. Steph? Mon père a apporté les sacs de couchage. Ça, c'est vraiment sympa de ta part. Tu comptes dormir dans le grenier? Bien sûr. On ne veut surtout pas énerver Delilah en s'entassant toutes dans son box. Ah, oh, vraiment sympa comme week-end. Tina, tu plaisantes? Qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire que de voir naître un poulain? C'est histoire de passer la nuit ensemble, on va bien s'amuser. Ah. N'importe quoi. Ah, oh. Oh, Steph, au moins je te reconnais, ta chambre n'a pas changé depuis tout ce temps. Je ne suis pas vraiment une accro de l'ordre. En tout cas, c'est ce que je vois. Oh. Je crois que j'ai laissé cette chaussure ici l'année dernière. Waouh! Qu'est-ce que tu en penses? Il me va. Tu peux le mettre si tu veux. Merci. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? On pourrait faire un tour. Tu verras comment je saute. On se débrouille assez bien. C'est-à-dire que j'ai dit à Christy de venir ici. Christy? Mais tu la détestes. Je sais pas trop. On dirait qu'elle a changé. Ça te dérange pas, au moins? Et le poulain qui va naître? Oh non, oh, j'ai... Et... Oh, j'ai promis à Carole qu'on irait. On peut toujours y aller. Plus tard. Vous avez de si beaux yeux, Ernest. Ils sont d'un bleu si pur. Allô, oui? Steph, je propose Indigo pour un garçon et Saphir pour une fille. Quoi? Oh, oh, bravo, c'est super. Tu vas prendre une douche? J'avais oublié à quel point les chevaux puent. Oh. Stéphanie, est-ce que tu m'écoutes? Oui, quoi? Oui, ça a l'air génial. Écoute, avec Tina, on a des projets. Mais juré, on viendra au club dès qu'on pourra. Est-ce que tu vas bien? Tu as l'air bizarre. Oui, je vais bien. On se voit tout à l'heure. Au revoir. Quels yeux magnifiques vous avez. Non. Quels yeux magnifiques vous avez, Ernest. Ils sont si beaux. Tu te rappelles le jour où Patch s'est emballé, que tu n'arrivais plus à l'arrêter? Oh, oui, je m'en rappelle. Et mon derrière aussi. Moi, je crois que je n'ai jamais autant rigolé. Et tu te rappelles le jour où... Christy! Salut, super tes boucles d'oreilles. Oh, j'adore tes chaussures. Tu te rappelles Brad qui jouait dans l'équipe de foot? Le Brad qui était si mignon. Il nous attend au centre commercial, il veut te revoir. Ça alors! Je dois me changer, mais qu'est-ce que je vais mettre? Oui, mais fais vite, je sais pas s'il attendra longtemps. Oh, tu t'en vas maintenant? Mais je viens de dire à Carole qu'on irait la voir. Ah, c'est vrai, la naissance du poulain. Écoute, toi, vas-y, Christy et moi, on te rejoint. Non, attendez, je viens avec vous. Eu pas juste un coup de fil. Je vous présente Cobalt, le papa. Je suis sûre qu'il aurait aimé être là pour la naissance. Oui, une seconde. Carole, Stéphanie veut te parler. Enfin, mais où est-elle? Où es-tu? Tu m'as dit que tu venais tout de suite. J'ai quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Carole, Tina ne reste que 2 jours, tu sais. Je te rejoins un peu plus tard. Allez, viens. En plus, personne ne sait quand le poulain va naître. Ça peut prendre encore des jours. C'est Judy qui l'a dit. Écoute, ce n'est pas très grave, d'accord? Parfait, si tu t'en fiches, c'est pas la peine de venir tout à l'heure, tu m'entends? Au revoir. Allez, on fonce. Steph va manquer la naissance et en plus elle s'en fiche. Judy nous a dit que Delilah ne poulinerait pas avant des jours.
Non, toi aussi? Je n'essaie pas de me défiler, c'est que je dois passer mon audition. Alors? C'est vraiment important pour moi. Et ici, je n'arrive pas à me concentrer pour répéter. Il y a trop de va-et-vient. Je rêve tellement de jouer cette pièce, Carole. Je tiens à ce rôle, et si c'est Véronica qui l'a, j'en mourrai. C'est seulement pour cette nuit. Je viendrai dormir ici demain soir. Je te le promets. Bien. Génial, je savais que tu comprendrais. Je comprends très bien. Elle se fiche de Delilah, du nouveau poulain et de moi. Il a bougé! J'ai senti qu'il avait bougé! Non, monsieur Worthing, ne me parlez pas du temps. Oh non, monsieur Worthing, ne me parlez pas. Ici, c'est pour les comédiens. Les caissières, elles doivent aller là-bas, dans le couloir. J'ai au moins autant de chances d'avoir le rôle que toi, Véronica. Ok, Cindy. Tu peux toujours rêver, Lisa. Désolé, John, mais on va avoir 15 minutes de retard. Oui, d'accord, on ne roulera pas trop vite. Vous allez dîner dehors? Oui. Et c'est assez loin, mais c'est notre restaurant préféré. C'était là-bas notre premier tête-à-tête. C'est vraiment romantique. Salut. Alors, où est passé le reste de l'équipe? Je crois qu'elles ont trouvé mieux à faire que regarder un poulain naître. Carole, ce sont tes meilleures amies, elles vont venir. Pas cette nuit. Tu sais, normalement, Delilah ne devrait pas pouliner avant plusieurs jours. On doit y aller. D'accord. Tout ira bien? Oui, je vous souhaite une très bonne soirée. Si tu en as envie, tu peux nous appeler sur le portable de Déborah. Le numéro est sur le tableau. D'accord. Brad est génial, encore plus génial que dans mon souvenir. Et si tu le voyais jouer au foot? Lui, au moins, il est mûr. Pas comme les garçons de ma classe. Ouais. De la mienne aussi. Oh, on doit choisir ce qu'on va mettre ce soir pour sortir. Pourquoi on n'irait pas faire un tour au Pin Creux? Il n'y a qu'une seule raison qui nous pousserait à aller là-bas ce soir. C'est Bob et il n'y est pas. Tu n'as rien à manger, je meurs de faim. Oui, bien sûr, allez vous servir. La nuit. Le poulain s'est retourné. Déborah, allez, voilà. Ah oui, le téléphone. Lisa. Allô? C'est génial. Je vais essayer, mais je dois passer mon audition.
Allô? Carole? Delilah est sur le point de pouliner. Super, tu ferais bien d'y aller et tout de suite. Tu ne veux pas venir avec moi? C'est le poulain de Cobalt. Bien essayé. Tu veux me faire partir, comme ça ils te donneront le rôle. Je le verrai demain, quand il sera lavé. Merci, Cindy. C'est à toi maintenant, Lisa. Je suis désolée, je dois partir. Mais Lisa... Véronica. Si jamais Brad me voyait comme ça, quelle honte. Arrête, je peux pas rire. Mon masque voilà. Est craqué. J'ai fini. Tu es sûre de ne pas vouloir te mettre un masque? Totalement sûre. C'est l'heure d'aller rejoindre Carole. Elle aurait prévenu s'il y avait du nouveau. Vous ne voulez pas y aller? Écoute, Steph, je ne suis plus aussi passionnée qu'avant. Je ne monte plus depuis que je vis en ville. Mais tu aimes les chevaux? Je les aimais. Tu vois, j'ai changé. Tous les enfants adorent les chevaux. Mais maintenant, j'ai bien mieux à faire que de nettoyer les boxes. Toi aussi, tu devrais un peu grandir. En tout cas, je vais aller grandir ailleurs. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai quelque chose à faire. Et quoi donc? Tu ne comprendrais pas. C'est trop enfantin pour toi. Oh, Steph! Oh. Delilah a déjà commencé à perdre les os. Jusqu'ici, ça va. Maintenant, on attend le poulain. Carole, ça a commencé! Chut, tu peux pas parler plus doucement! Désolée, qu'est-ce qui se passe? Ne sois pas inquiète. Je sais que tu as des choses plus importantes à faire. J'ai rien manqué? Comment va Delilah? Ça y est, le travail a déjà commencé. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien du tout. Ne réagis pas comme ça, Carole. On est ici maintenant. Oui, maintenant. Mais où étiez-vous quand elle a eu besoin qu'on la brosse, quand il a fallu enrubanner sa queue et quand elle a perdu les os? Je croyais qu'on devait faire ça ensemble. On est là. Je suis la seule à ne pas l'avoir abandonnée. Allez, arrête ça. Tu te comportes comme si on avait fait un truc grave. C'est grave. Non, c'est pas vrai. Judy a dit que le poulain n'était pas prêt de naître. Il faut appeler Judy, vite! La batterie est vide. Je ne pourrai pas être là avant une heure. Vous allez devoir vous débrouiller seule. Mais s'il y a un problème? Calmez-vous surtout. Vous verrez, faites-moi confiance, tout ira bien. Je reste au bout du fil pour vous donner des conseils. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle respire difficilement et elle est effrayée. Elle respire difficilement et elle est effrayée. Vous avez entendu ça? Oui, elle va bien. Il faut la laisser faire toute seule. Bon, qu'est-ce que tu vois? Carole, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'elle voit les pattes du poulain? Rien! Elle dit qu'elle voit rien. Dis-lui de regarder attentivement. Une seconde! Ça y est, je vois quelque chose! Oui, il arrive! Je viens de voir ses pattes, il arrive vite! Oh. Lisa! Steph, vous êtes là? Et la caméra? Tu vas manquer le meilleur. Non, 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 ça me donne des haut-le-cœur. Tu dois absolument essayer de maîtriser cette phobie ridicule. Non, je ne peux pas. Et le seul moyen qui existe, c'est regarder ce qui te fait peur. Oh. Wow. C'est pas magnifique? Qu'est-ce que t'en penses? Il est mignon. Oh. Si seulement il pouvait rester aussi petit.
regardez. À bientôt, Tina. Salut, Christy. On dirait que Tina est encore allée faire les magasins. Coucou, les filles. Qu'est-ce que c'est? Un poulain. Je veux dire, garçon ou fille? Garçon. Tiens, c'est un cadeau pour le bébé. Ah, oh, Lisa, comment s'appelle-t-il? Oui, on n'a pas encore décidé. Alors, Indigo? Oh, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Un cheval? Oui, il aurait été un peu ridicule avec un nounours. Merci. Je t'appelle la prochaine fois que je viens. Tu sais où tu peux me trouver. Et surtout, n'abandonne pas le cheval. Pas question. À bientôt. Salut. Salut. Tina est partie. Ah. Est-ce que tu as le rôle? Non. Ils l'ont donné à Cindy Browning. Son père aussi va jouer dans cette pièce. Ça me dégoûte que les gens abusent de leur situation comme ça. Alors Lisa s'est complètement plantée. Ça a failli, mais elle est partie. Elle voulait voir le poulain. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes? C'est juste un bébé cheval. Il va pas partir très loin. C'est exactement ce que j'ai dit. On va faire un tour après la leçon. Ouais. Allez, Steph, réfléchis, on doit lui trouver un nom. Carole, c'est toi qui dois choisir. C'est toi qui es restée ici à côté de Delila. Oui. Vous savez, je ne pensais qu'à chercher un nom qui avait un lien avec Cobalt, comme Saphir ou Indigo. Mais j'aimerais un nom qui aille avec Delila. Un nom comme... Samson. On dirait presque Samson et Dalila. C'est parfait. Bienvenue au club du grand galop, Samson. Salut, Phil. On se voit au barbecue? C'est écœurant la manière dont elle le drague. Ouais, elle fait pitié, je sais. Quel barbecue? La famille de Phil organise une fête ce week-end. Ce sera très branché. Les invités sont triés sur le volet. Calme-toi. C'est la fête de ses parents. Phil n'a pas pu décider des invités. Oui, c'est ça. Alors pourquoi il m'ignore totalement? Il ne t'a pas vu, c'est tout. Calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Véronica l'avait laissé tout seul dans la carrière. C'est surprenant. Elle a laissé son cheval tout seul, mais c'est dangereux. Elle a peut-être oublié de le desceller. Rappelle-toi ce qu'elle a fait à Cobalt. Elle va faire exactement pareil à Garnett. Oh non, elle va rien faire. Je ne crois pas que Véronica va s'en sortir comme ça. Thank you.
On dirait que Dime a rendez-vous pour une manucure. Ouais, moque-toi, ce truc a une de ces odeurs. Tiens, sens. Ah, t'es sûre que ça va pas lui faire du mal? Non. Qu'est-ce que vous faites, les filles? Je m'occupe des sabots de Dime. J'apprécie que vous m'aidiez, mais Ashley, je t'ai déjà dit que tu n'as pas le droit de rentrer dans un box sans m'avoir prévenue. Je sais, mais... C'est pour ta sécurité. Mais je vous jure qu'on a fait bien attention. Vous voulez m'aider? Alors, s'il vous plaît, sortez de ce box, Mélanie et toi. Venez, il y a plein de travail. Mais dehors. Dehors. Génial. Il y aura sûrement des journalistes à la fête de Phil. Je serai dans le quart des mondains. Qu'est-ce que tu vas mettre? J'en sais rien. Ma mère passe me prendre pour aller faire les boutiques. Est-ce que tu comptais le déceler aujourd'hui ou peut-être tu as imaginé que Garnett y arriverait tout seul? Ce n'est pas mon problème. Tu n'as qu'à demander à celui qui s'en occupe. Ta jument galopait toute seule. C'est très dangereux. Elle aurait pu se blesser. Christy, le club des pauvres filles ne m'aime pas. Ah oui, je me demande si ce n'est pas parce que tu es invitée à la soirée de Phil et pas elle. Il est trop chaud. Est-ce que je peux le brosser? Pas maintenant, Mélanie. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Où est Delila? Samson a des problèmes pour manger. Quel problème? La mastose. À cause de ça, Delila ne peut pas le nourrir. Alors elle l'envoie balader. C'est une mauvaise maman. Non, Delila n'y peut rien, c'est une maladie. Elle se remettra rapidement avec la piqûre qu'on lui a faite. Mais on fait quoi pour ce pauvre Samson? Le docteur nous a dit de ne pas nous inquiéter. Il y a une solution. En fait, le docteur va essayer avec un tube. Comment on nourrit un poulain avec un tube? En le mettant dans sa gorge. Oh! Il sentira rien. Il le sentira forcément! Ne t'inquiète pas pour lui. Il va s'en sortir, tu vas voir. Il ne faut pas qu'elle néglige son cheval, sinon un jour il lui fera payer. Mais elle ne s'est jamais intéressée à Cobalt non plus. Et il était parfait. C'est grâce à Carole si Cobalt était un cheval aussi merveilleux. Elle le montait tout le temps. Je devrais peut-être la monter. Non! Laisse-la se débrouiller seule, ça ne te regarde pas. Oui, même si son cheval devient fou, ce sera sa faute. Je ne ferai pas ça pour Véronica, je le ferai pour Garnett. Salut les filles. Ne vous dérange pas? Le docteur Reed est toujours avec Samson et j'ai promis de livrer plusieurs barrières aujourd'hui. Ce sera beaucoup trop difficile tout seul, si ça vous dit de m'aider. Bien sûr, d'accord, oui. Super. Bonjour. Hey! Ça suffit, Noman. Calme-toi. Allez, c'est rien, du calme. Cette jument est pleine d'énergie. Je crois que c'est ma faute. Je la monte pas assez souvent. Du coup, elle m'en veut, c'est normal. Ah, oh, merci d'avoir pensé à m'amener ces barrières. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Oh, y a pas de problème. Les filles m'ont donné un petit coup de main. Stéphanie, Carole, Lisa, voici Dee Marsden. Salut. Marsden? Mais alors, vous êtes... Mm-hmm. Oui. Maman? Salut, Phil. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah ouais, vous donnez un coup de main à Max. Ouais, je vois ça. Combien de temps vous restez? Vous n'allez pas vous éterniser, j'espère. Ne rentre pas, tu vas lui faire du mal. Ouvre cette porte. Pas question. Je crois que tu ne vas pas t'ennuyer aujourd'hui. Bah, arrête. Ouh. Madame Reg, tu te débrouilles à merveille. C'est hors de question de lui mettre un tube dans la gorge. Je te dis qu'il ne sentira rien. Va-t'en, c'est moi qui m'en occupe maintenant. Fais bien attention, ce n'est qu'un bébé. Oh! Tu vois que j'avais raison, il ne veut pas me voir ici. Il a presque failli nous demander de partir. Son attitude est étrange parce qu'il est nerveux en ta présence. Oui, c'est ça. Ça se voit sur son visage, Stéphanie.
Pour une fois qu'on donne un coup de main à Max, on atterrit comme par hasard dans la maison de cet idiot. Les filles, regardez! Elle est parfaite! Nomade? Oui, imagine une tache blanche sur son front. Après une bonne douche, on brosse son crin et qu'est-ce qu'on a? Le portrait craché de Garnett. Oui, à part que ce cheval manque d'entraînement. Choisir. Il y a ce haut avec ce pantalon. Elle se l'arrache tout à New York ces temps-ci. Oui, ça va. Mais tu ne dois pas t'habiller un peu plus collé-monté? Oh, attends, j'ai aussi plus habillé si c'est ce que tu veux. Oh, on dirait ma mère quand elle s'habille. Et ça, qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves que ça fait ordinaire? Ça, c'est mieux, je crois. Ça dépend de ta façon de te coiffer pour la soirée. Oh, c'est vrai. J'y avais pas réfléchi du tout. Jamais je ne serai prête pour samedi. Regarde ce que je t'apporte, Samson. Du bon lait de vache. C'est bon. Tu vas y aller. Allez, bois, tu vas adorer. Peut-être que je devrais le remplir un peu plus. Ça suffit comme ça, j'ouvre la porte. Ça va aller, laissons-la tranquille. Mais elle ne veut pas comprendre. Elle va comprendre. Autrement, elle risque de mal le prendre. Alors, on met Nomade à la place de Garnett. On le laisse au box et quand Véronica prendra son cours de dressage, elle réalisera à quel point c'est dur de monter un cheval qui n'en fait qu'à sa tête et qui ne l'écoute pas. Mais tu crois qu'elle ne verra aucune différence? Eh, je vous parle de Véronica et pas d'une fille normale. Elle fera plus attention à sa tenue qu'à son cheval. T'as raison, même si elle le remarque, de toute façon, elle aura eu amplement le temps de se ridiculiser devant tous les autres. Et peut-être bien qu'une fois secouée dans tous les sens sur le dos de Nomade, elle se rendra compte de la chance qu'elle a d'avoir Garnett. Super, ton idée! Mais n'oublie pas quelque chose dans tout ça. Quoi? Comment on va réussir à avoir Nomade? Hé, hey, Phil! N'y pense même pas. Il faut qu'on t'emprunte un cheval. Samson, bois ça, tu vas adorer. Allez, une gorgée au moins. Mélanie, ouvre s'il te plaît. Le docteur Judy est venu voir Samson. Allez, ouvre. Delilah a reçu sa dernière piqûre et elle sera guérie dans un ou deux jours. Mais pour l'instant, son poulain doit manger. Dis, ça te plairait de m'aider à le nourrir? Je veux pas. Ça ne lui fera absolument pas mal, je te le promets. Non. C'est bon, Mélanie. Cette fois, ça suffit. Elle mérite de recevoir une bonne leçon. On veut que Véronica s'occupe de Garnett. D'accord, comptez sur moi. Merci. On se retrouve demain matin pour l'opération cheval volant. Désolé d'interrompre votre réunion, mais on rentre au club. Oui, merci pour le coup de main, les filles. J'ai été ravie de vous rencontrer parce que Phil n'arrête pas de me parler de vous à longueur de journée. Bon, eh bien, j'espère que vous allez venir ce week-end. Non, non, pas elle. C'est un truc de famille, elles vont pas s'amuser. Phil, ça me ferait très plaisir. On organise un petit barbecue samedi après-midi et vous êtes toutes les bienvenues. Maman, je te l'ai dit, elles en ont aucune envie. Est-ce que tu t'entends? Tu es mal élevée. Ça va, Madame Marsten. De toute façon, on avait déjà prévu quelque chose. Si Phil est là, comptez pas sur moi. Arrête, Stéphanie. Il était mal à l'aise. Oui, c'est exactement ce que je vous dis. Véronica est sa préférée et c'est tout.
S'il aimait vraiment Véronica, pourquoi il nous prêterait son cheval? J'en sais rien. Il pense peut-être qu'il va pouvoir m'humilier une fois de plus. Il n'en vaut pas la peine. Ce qui est le plus urgent, c'est la leçon que va recevoir Véronica. Qu'est-ce qui est plus important? Garnett ou Phil et son barbecue? Allez, Stéphanie, on a besoin de toi et on pourra jamais s'en sortir à nous deux. D'accord, je suis avec vous. Mais pas question que vous me laissiez avec Phil, d'accord? Alors je l'appelle. Phil? Ah, c'est là que tu te caches. Une fille vient d'appeler. Qui? Lisa, du Pain Creux. Oh. Tu espérais que ce soit une autre fille? Non. Je suis vraiment surprise qu'une de ces filles ait le courage d'appeler après ta réaction. Arrête-toi. Tu m'as étonnée en étant aussi grossier. Je t'ai dit que je ne voulais pas les voir. Mais cette Stéphanie, c'est la fille que tu aimais plutôt bien. Non. Bon, elle doit se sentir très vexée. Elle s'en fiche. Mais je crois que tu as tort. Je l'ai vue te regarder. C'est pas vrai. Pourquoi tu ne l'invites pas à la fête? Je parie qu'elle dirait oui. Et elle pourrait même t'aider. Pas question, je te répète. Elle a prévu autre chose de toute façon. Du calme. Hein? Viens par là. Ça va aller, suis-moi. Pourquoi est-ce que tu pleures? Je pense qu'il y a un secret. C'est sûrement dans un de ses livres. Un secret? Quel secret? Pour nourrir le poulain. Je trouve que c'est mal de mettre un tube dans sa gorge. Oh, tu sais bien qu'on ne va rien lui faire de mal. Mais ce n'est qu'un bébé. Viens là. Oh, ça va mieux? Alors, jetons un coup d'œil. Il faut vite qu'on se dépêche de le cacher, elle arrive. Et si l'idiot n'amène pas son cheval comme on espérait? Ton idiot est pile à l'heure en tout cas. Tu cherches quelque chose? C'est bon. Je l'ai. Merci. J'arrive pas à y croire. On dirait qu'une bombe a explosé dans le placard. Faudrait penser à ranger tout ça un de ces jours. Oh oui, bonne idée. À tout à l'heure. Ce truc est dégoûtant. Tu crois que ça tiendra assez longtemps? J'espère que oui, sinon le plan tombe à l'eau. C'est ma nouvelle veste. Bah, t'as mal au cou ou quoi? Regarde qui est là. Qui ça? Oh! Qu'est-ce qu'il fait ici? Il n'a pas de leçon aujourd'hui. Voyons, réfléchis. C'est pour venir t'admirer durant ta leçon. Oh, bien sûr. Salut, Phil. Salut. C'est gentil de venir me regarder. Et pourtant, tu sais, c'est une leçon très ardue. Ah oui, je voulais juste voir comment tu montais Garnett. C'est une jument incroyable. On est faites l'une pour l'autre, je le sais. Bonjour. Mon cheval a intérêt à être prêt. Mon cours commence dans 5 minutes. Crouille-toi. Tu le fais exprès ou quoi? Vous voulez me faire arriver en retard pour ma leçon de dressage? Ah, c'est bizarre. C'est la première fois que le garçon d'écurie fait bien son travail. C'est rare de nos jours, les bons employés. Avance, Garnett, par là. Elle n'y a vu que du feu.
On pourrait même essayer avec Samson et je suis sûre que Véronica ne verrait aucune différence. Dépêchons-nous, je ne veux pas rater une seconde du spectacle. Salut Samson. Désolée de t'avoir laissé tout seul, mais il fallait que je trouve quelque chose. Est-ce que t'as faim? Vous croyez qu'elle fera un changement de pied? J'espère qu'elle essaiera des choses dures. On devrait bien rire, ça me fait plaisir de vous avoir aidé. Je suis pressée de voir ça. Ah, je comprends. Tu me parles quand on est au pain creux, mais pour une fête, tu préfères en parler à ta chère Véronica. Quoi? C'est faux ce que tu racontes. T'es même capable d'avoir raconté notre plan, ça ne serait pas étonnant. Non! C'est la vraie Cata! Qu'est-ce qu'il y a? Max a annulé le cours de dressage, Véronica a décidé de faire de l'obstacle. Je crois que Nomad n'en a jamais fait. Il faut l'en empêcher. Ok, tu commences avec une verticale, ensuite les deux. Attends, tu montes quel cheval? C'est Garnett, je l'ai tellement bien toilettée qu'on ne la reconnaît pas. Véronica, attends! Empêchez-la de sauter, ce n'est pas Garnett! On croyait qu'elle ne ferait pas d'obstacle! Véronica, attends! Ralentis! Wow, Garnett, wow! Ah oh. Est-ce que ça va? Oh, c'est un autre cheval? Et tu t'en aperçois que maintenant? Non, là, j'arrive pas à y croire. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Vous réfléchissez un peu? C'était stupide, oui, on l'avoue. On ne voulait pas que ça finisse comme ça. On voulait juste que Véronica prenne un peu soin de Garnett. J'ai compris pourquoi vous l'avez fait, mais c'est un acte irresponsable. Et en plus dangereux. Vous êtes suspendu de pain creux pour une semaine. Seulement une semaine? Mais elles ont essayé de me tuer! Il faut dire que si tu prenais soin de ton cheval, tu te serais tout de suite aperçu que ce n'était pas le tien. Elles ont eu tort, mais pas surtout. Delilah est tirée d'affaire. L'inflammation est guérie. Comment tu t'es débrouillée? Avec du miel, c'est facile. J'ai mis du miel sur mes doigts et sur le biberon. Et après ça, il a sucé mes doigts. Et j'ai mis la bouteille comme ça, il a léché la tétine. Alors j'ai tapoté le biberon et le lait a coulé. C'est très simple. Tu es très douée. Vous allez devoir lui mettre le tube dans la gorge, vous croyez? Ce ne sera pas utile parce que tu fais ça très bien. Vraiment? Sa maman va se reposer et toi, toutes les 3 heures, tu lui donneras un biberon, d'accord? Toutes les 3 heures? Même la nuit? Mais bien sûr. Ça va aller, Mélanie. Si tu veux m'expliquer, je serai de garde la nuit. Mm-hmm. Salut, Comanche. On ne va pas se voir pendant une longue semaine. Tu vas me manquer beaucoup. C'est ma faute, excuse-moi. Ça valait le coup. On est puni, mais Véronica a reçu une bonne leçon. Je sais, mais c'est dur de te priver de monter. Tu es venue ici pour me le rappeler? Non, je voulais... Ah, j'aimerais te présenter mes excuses à propos de la fête ce week-end. Je voulais pas que tu viennes. Quoi? Je voulais inviter aucun membre du pain creux. Oui, c'est ça, à part Véronica. Non, ce sont mes parents qui ont invité les Angelo. C'est assez embarrassant, mais ma mère m'a demandé de surveiller les enfants pendant la journée. Je vais leur faire faire des promenades à poney. Je vais rester avec les petits et il va falloir que je mette un costume ridicule en plus. C'est vrai? Tu vois, c'est pour ça que je voulais pas t'en parler. Je savais que tu te moquerais. Excuse-moi, c'est trop drôle. Écoute-moi, si je vous invite, ça vous ferait plaisir? J'en sais rien. Et c'est à quelle heure? Qu'est-ce que vous faites encore au club? Vous n'avez pas le droit d'approcher les chevaux. On voulait te dire pardon avant de partir.
Personne nous a dit que tu ferais de l'obstacle. Je reconnais que c'était très dangereux. Mais attendez, qu'est-ce que vous croyez? Je savais que c'était pas Garnett, mais j'ai continué à cause de Phil. Il fait partie de l'autre Poney Club. L'honneur du pain creux était en jeu. C'est ça, Véronica. Les filles, on se voit à la fête? Elles ne sont pas invitées, tu plaisantes? Si, elles viennent m'aider à m'occuper des petits. Des quoi? Oui, et on va se déguiser même. Il y aura plein de beaux costumes. Ma mère m'a dit qu'elle avait besoin d'aide pour faire les hot dogs. Écoute, malheureusement, Phil, j'y avais plus du tout pensé. Mais je peux pas venir ce week-end.